Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo MAMS TV. Alors, je cherchais un petit peu sur Atali et puis bizarrement je suis tombée sur un article qui décrivait la généalogie de notre cher Gabi Attal. Vous le croyez ou vous le croyez pas? Donc si ça vous intéresse, allez jusqu'au bout parce que franchement le garçon est vraiment mais super bien né. Les noms de famille que vous allez avoir là dans cette vidéo, je pense pas que vous les auriez anticipés avant. Très honnêtement, même moi, je n'y ai pas cru. Mais bon, c'est Genestar, donc c'est la généalogie que des stars. Parce que Gabriel Attal, vous l'aurez bien compris, est une star. Donc je ne vais pas vous redire qu'il est né, qu'il est un homme d'État français. Vous savez déjà qu'il est né le 16 mars 89 à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Donc il est déjà rien que géographiquement bien né. Mais pas que. Et donc, je suis tombée aussi sur l'origine de son nom, figurez-vous. Et là, c'est très intéressant. Donc, Attal qui désigne en arabe un portefaix. Savez-vous ce qu'est un portefaix? Moi, j'ai été voir sur Google ce qu'était un portefaix. Donc, c'est celui qui faisait un métier de porter des fardeaux. Et aussi un homme grossier et brutal. Est-ce que ça correspondrait pas à notre petit Gabi, surtout la dernière description? Enfin bref. En tout cas, sa généalogie, elle est pas piquée des vers. Vous allez voir qu'il y a des grands noms dedans. Donc restez curieux jusqu'à la fin de la vidéo. Donc Elie Attal, 1885, il n'y a pas l'année de décès, mais c'est pas grave. Donc déjà, c'est quand même un nom assez ancien, hein. C'est pas Attali à l'époque, mais bon. Modigliani Benvenuta Lina. Modigliani. Et j'ai été vérifié, c'est bien de la famille du peintre que vous connaissez tous. 1890. Et là non plus, il n'y a pas l'année de décès. Ensuite, vous avez Ernest Simon Veil. Oui, famille de Simone Veil. 1884-1960. Quand je vous dis qu'il est bien né, ce garçon. Ensuite, vous avez Carmen Magdalena Zivi, 1887. Alors là, bon, par contre, je ne sais pas trop ce nom, j'ai pas été chercher, je vous cache pas. Ensuite, vous avez Alexandre de Couris, donc certainement son grand-père, 1889 et 1964. Et puis, pour ses origines russes, vous avez Maria Yurelevna, que je vous dise pas de bêtises. Yurlevna, pardon, excusez-moi, Maria Lou, oh là là, j'ai du mal avec le nom russe. Maria Yurlevna de Meyendorf. Encore une particule russe, mais vous savez bien que il est de famille à particules nobles, hein, donc c'est elle est de 1904 et morte en 1978. Ensuite, vous avez Amédée Albert de la Forêt. 1899-1946. En prime, vous avez Marthe Isabelle Bourbon de Sarty en 1900-1968. Vous voyez, que de la particule. Donc la plus récente, on va dire, hein, Haïm Gilbert, 1916-1978. Jeanine Lucienne Veil, 1920-2011. On retrouve la famille Veil. Ensuite, vous avez Alexandre de Couris, 1928-2006. Ça, c'est son papounet, je pense. Or que, non, c'est pas son papounet, c'est peut-être son grand-père. Ça doit être son grand-père. Ensuite, Anne-Marie de la Forest, 1927-2005. Donc, son papa Yves-Marc Attal, 1948-2015. Et sa mamoune, Marie de Couris, 1964. Et elle est toujours en vie. Non. Ensuite, vous avez tout le cousinage à droite de l'article là. Donc, je vous laisserai aller découvrir tout ça. Enfin, en tout cas, pour vous dire que bah, le petit Attal, il est vraiment super bien né. Que, bon, ma foi, on va voir si c'est un homme grossier et brutal. Enfin, bon, je trouve qu'il a déjà prouvé hein, par ses interventions. Rappelez-vous sur le Covid, les vaccinés étaient ceux qui mettaient en danger toute la population, hein. Et était vraiment dans cette doxa-là, puis c'est un macroniste de la première heure, comme Prisca Paternotte, dont j'ai fait une vidéo d'ailleurs, qui a été diffusée aujourd'hui.
Voilà. Bah, je vous laisserai découvrir tout ça. Merci à vous encore pour votre soutien. N'oubliez pas l'abonnement. Hein. Ceux qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est important. J'aimerais bien avoir mes 1800 abonnés pour mon année. Hein. Moi, j'ai un peu gonflé le chiffre là parce que je suis presque à 1500. Donc, et pourquoi pas même voir 2000, hein, qui sait, hein, quand on est ambitieux, on obtient. La cloche pour être prévenu de la prochaine si vous avez aimé ce contenu-là et puis les autres vidéos. Je vous invite d'ailleurs à aller découvrir pour le nouveau les anciennes vidéos, à voir si vous continuez à m'aimer toujours autant. Et n'hésitez pas à faire un petit don, c'est vraiment pour m'aider pour ma chaîne, pas pour moi perso, je vous le redis encore une fois. C'est vraiment hyper important. Moi, j'ai envie d'améliorer cette chaîne et qu'elle monte, qu'elle puisse atteindre le plus de gens possible. Et les abonnements, ça fait vraiment monter les algorithmes YouTube. Donc, vraiment, merci à vous de vous abonner. Et puis, bah, partagez sur vos réseaux sociaux aussi, hein, n'importe lequel. Hein. Évitez TikTok, je suis pas trop fan, mais bon, encore que si vous allez sur TikTok, pourquoi pas. Mais bon, bah, vu que c'est des salafistes qui vont faire le prêche de la haine, je suis pas fan de TikTok. Mais Insta, Facebook, pourquoi pas, hein, sur Mark Zuckerberg. Allez-y, hein. Je suis pas fan non plus, mais bon. Allez sur Twitter aussi, vous pouvez, hein, me prouvoir, il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle soirée ou une très belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Surtout, surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams TV. Je vous adore. À ciao sur Mams TV.